Avec son tissu économique dynamique, Pertuis est une terre d'industrie verte innovante. Grâce à ces nouvelles digues construites pour préserver notre zone d'activité, elle accueillera demain notre nouvelle zone dédiée aux industries du futur. Des projets innovants sont conçus par nos start-up, les sociétés performantes de demain, au sein de notre pépinière d'entreprise. Pertuis a retrouvé un cœur de ville provençal grâce aux opérations de notre concession publique d'aménagement, en cours de prolongation avec la métropole. L'îlot Saint-Pierre rénové, de nouveau le cœur de la démocratie pertuisienne avec une nouvelle salle du conseil municipal, les archives et le nouvel office de tourisme. Une protection au quotidien avec une police municipale de terrain réactive qui travaille en étroite collaboration avec la compagnie de gendarmerie dans des locaux entièrement rénovés en plein cœur de ville. Des équipements modernes dont plusieurs drones et un dispositif de vidéoprotection avec une centaine de caméras intelligentes pilotées par le centre de surveillance urbaine pour lutter contre les infractions et les dépôts sauvages. Des agents de terrain pour maintenir notre ville propre, dont les déchets sont valorisés par nos nouvelles déchetteries et stations d'épuration. Des services de proximité conçus pour vous, au plus près de vos préoccupations, sans oublier personne. Un espace France Service en cœur de ville pour vous aider à accomplir vos démarches. Des permanences justice au sein de notre maison de la citoyenneté. Un nouveau centre communal d'action sociale à la Dévalade pour les plus fragiles et nos aînés. Pour nos enfants, des écoles de quartier créées, rénovées et équipées de panneaux photovoltaïques. Une offre de soins d'excellence avec l'implantation prochaine d'un IRM au sein de notre hôpital de pointe et sa maternité. Complétée par notre médecine de ville au sein de la CPTS, Santé Lub et sa permanence médicale en soirée, les week-ends et jours fériés. Pertuis dispose des seules infrastructures sportives à rayonnement métropolitain du nord de la métropole, faisant d'elle la capitale du sud Luberon et du Val de Durance, mais aussi la 25e ville française en matière d'équipement sportif. Des équipements culturels d'exception pour le bassin de vie Sud-Luberon, Val de Durance, avec un conservatoire de musique qui fonctionne en collaboration avec le conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence et le conservatoire métropolitain d'Istres. Un théâtre à l'italienne récemment rénové. Un cinéma avec une programmation grand public et d'art et d'essai. Notre chapelle de l'hôpital, transformée en espace culturel de creuse, lieu de nombreuses expositions. Et enfin notre médiathèque Les Carmes, véritable écrin de transmission du savoir, doté d'un Fab Lab et d'un auditorium qui vient renforcer le pôle culturel pertuisien qui rayonne sur le Val de Durance et le Sud Luberon. Pertuis, grande scène d'événements culturels et sportifs. Offrir un cadre de vie qualitatif avec des écoquartiers intégrés, à densité humaine, en maison individuelle, à l'image du domaine Luberance rue Léon Arnoux, la coulée verte du CETI et la grande promenade du canal. Accélérer notre transition énergétique sur nos bâtiments et infrastructures.
une pépinière couveuse réalisée pour nos jeunes agriculteurs, et la préservation d'un foncier agricole avec le projet de remembrement de la plaine de la Durance, l'irrigation de nos coteaux, et la sanctuarisation d'une zone agricole protégée, sans oublier la poursuite de nos jardins familiaux. Offrir une mobilité durable depuis le Vaucluse vers les Bouches-du-Rhône, grâce à un pôle d'échange multimodal et son parking gratuit de 300 places, ainsi qu'un abri vélo sécurisé. 2500 places gratuites de proximité, à l'image du parking de la Dévalade et son accès direct par ascenseur au centre-ville. Multiplier les pistes cyclables et cheminements doux, permettant de relier nos écoles de quartier et nos services publics. Promouvoir l'utilisation du vélo, avec l'ouverture, en plein cœur de ville, d'une remise à vélo participative de l'Adava Pays d'Aix, place de la Tour Saint-Jacques. Une dynamique qui s'amplifie avec l'aménagement paysager de l'avenue Léon Arnoux, le jardin du Roc Assis et le parking des Moulins. Le futur pump track, doublé d'un skatepark et d'une aire de jeu pour enfants à la coulée verte entre le CETI de Barba et la Dévalade. Le nouveau plateau sportif et les vestiaires aux touriers. Et notre plaine de jeu engazonnée de 10 000 m2 au Farigoulier, à l'entrée sud de la ville. La construction de l'écoquartier Estélance, en prolongement du domaine Luberance, rue Léon Arnoux. Le projet de nouvel écoquartier du Jas de Beaumont et son pôle médical avec le futur Institut médical d'éducation, la maison de retraite et une annexe de l'hôpital Montperrin. Le chantier de déviation sud-ouest en cours vers Ville-Laure, qui a vocation à se poursuivre avec le contournement nord de Pertuis. Et l'aménagement de la butte du Barry, démarré cet automne, qui intégrera, autour de notre nouvel office de tourisme Place Saint-Pierre, un musée provençal et un restaurant-café avec vue imprenable sur le Luberon. Parmi les autres projets en cours, la rénovation de l'école Marcilly qui accueillera bientôt les enfants de maternelle, la nouvelle crèche de l'Éden pour nos tout-petits, la véloroute qui prend forme le long de la Durance jusqu'à Avignon. Nous l'avions dit, nous l'avions promis, faire de Pertuis une ville moderne à la campagne où il fait bon vivre. Cette dynamique va se poursuivre pour bâtir ensemble le Pertuis de 2040 de nos rêves. La fierté de l'avoir fait avec vous, sans augmenter nos impôts ni la dette de nos enfants.